Yeah, the change for the team this year is that we've now gone for specialist endurance riders. We've got riders in the team who've won, not only won many of the endurance races, but many times been world champion as well. So this year, Honda have a new Fireblade called the SP model, which is like a slightly higher spec version of the normal Fireblade. Obviously, we believe we have the best bike in the paddock without any question, both from a reliability point of view, a fuel economy point of view, and a performance point of view. We want to improve the strength of the team and move forward. And obviously, our aim for this year is to try and win the World Championship. Freddy Forêt, je suis pilote endurance Honda Racing pour l'année 2014. C'est toujours difficile d'avoir des objectifs en endurance. C'est pas comme des courses de vitesse. En endurance, le problème, c'est qu'on peut être les meilleurs sur le papier. Et on va pas forcément gagner la course. Je pense qu'il faut vraiment travailler dans notre direction, pas trop regarder ce qu'il y a autour. Je pense que si on arrive à bosser correctement, on peut faire quelque chose de bien, mais très honnêtement, c'est très difficile. Et puis en endurance, on a besoin de beaucoup d'expérience. Donc nous, on se découvre tous un petit peu cette année. Je pense que là, on a fait du bon boulot cet hiver, donc on peut avoir des objectifs importants, mais on reste serein de tout de même. Cette 1000 CBR, elle est vraiment géniale à piloter. C'est une moto très, très facile, un moteur très onctueux. Et aujourd'hui, quand on roule sur un circuit comme ça et dans les chronos dans lesquels on a roulé, ça donne toute confiance en tout cas pour pouvoir essayer de donner le meilleur cette année en championnat du monde d'endurance. Une saison en championnat du monde d'endurance, ça se prépare. C'est des courses qui sont tellement difficiles à gagner que quand on les gagne, on les savoure pleinement. Et il ne faut surtout pas commettre d'erreurs, il faut surtout marquer des points et être là à chaque course. Donc aujourd'hui, ce que je veux, c'est simplement déjà d'une part me faire plaisir au guidon de cette nouvelle moto, marquer des gros points à chaque course, et si on peut, bien évidemment, c'est d'aller gagner. Alors, on a été surpris de la compétitivité de la moto. Dès les premiers tours de roue, il y a un mois déjà. Et là, en fait, on fait que poursuivre le travail qu'on a commencé il y a quelques semaines. Et la moto se comporte très bien, vraiment agréablement surpris. Les pneus, bonne adéquation avec la moto. Je pense que c'est bien parti pour faire une belle course. On vise le titre, mais on sait très bien que ça va être dur d'y arriver. On se donne une année pour mettre tout ça au point et être sur le podium à toutes les courses.